Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, les petites oreilles, c'est parce que j'ai fait un make-up hein, pour une box que j'ai testée. Hier, je vous ai quitté en ayant vu un film de Noël, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec, j'ai mangé plein de gâteaux au chocolat. Résultat, quand je vous ai quitté hier avec le vlog, j'ai eu des douleurs extrêmement violentes. Je pense que c'est ma hernie parce que c'est très déconseillé, c'est même fortement déconseillé de manger le soir. Surtout avant de se coucher, de boire en plus en même temps ce que j'ai fait. Eh ben, j'ai eu des barres, j'étais pliée en deux. Eric a dû m'emmener, enfin me monter à l'étage. Ça a duré jusqu'à 2 h du matin. Des contractions. Je vais calmer. Au niveau des craquages nocturnes, c'est plus possible. C'est trop cher payé, franchement. Et j'ai très fortement envie d'un café. Je pense que ça va me faire du bien. Et est-ce que vous vous souvenez ce que je m'apprête à faire? Bah, je vais monter le meuble hein, pour mon hall Jiffy. Parce qu'Eric a pas eu le temps de le faire. Tadam! Bon, c'est un petit tabouret, mais il y a plein de vis. Le facteur vient de passer. Au vu du paquet, ça m'a tout l'air d'être la gambette, box. Ils sont toujours top en fait, les cartons. Voilà, dans un supermarché. Tranquille. J'ai quasiment fini. C'était facile, hein, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en même temps, je travaille sur mon vlog, donc je fais des va-et-vient. Et il y avait quelques petits soucis avec la vidéo. Donc là, tu perds du temps. Il est déjà 13 h, 13 h 15, je crois. La luminosité, bah, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et après, il faut quand même que je tourne. Ça y est, j'ai fini le montage du petit tabouret. Je vais me changer, évidemment. Ranger derrière moi, parce qu'il y en a un petit peu partout. Et bah, je me dépêche pour tourner mon hall, hein, parce que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je vous montre, le ciel est blanc. C'est un ciel de neige, je trouve. Voilà pour la tenue, petit maquillage léger. Et moi, mon problème, c'est là-haut. Je manque de volume à chaque fois. Donc, je vais tester un truc. Façon les feux de l'amour avec les grosses coiffures, je vais voir. En général, je mets du shampoing sec parce que c'est assez texturisant, donc ça va. Voilà, ah, déjà. Et tout simplement, bah, je vais venir crêper. Désolée pour la couleur jaune, vu qu'il y a très peu de lumière, j'étais obligée d'allumer le plafonnier. Et on y va. Allez, go, go, go. Mais ça marche bien, hein? Une fois que j'ai crêpé, hein, je ne veux pas le faire trop, et ben, je viens quand même recoiffer légèrement par-dessus. Et après, selon ce qu'on veut, on va tenter. Bon, déjà, je sens que c'est beaucoup plus épais. Et après, je fais un effet coiffé. Décoiffé, là c'est plus décoiffé que coiffé quand même. Bah, hop, hop, c'est peut-être too much là, non? Oh non, on est bien. Bonjour, moi c'est Brenda. Bonjour, moi c'est Brenda. Ouais, c'est bien. Et là j'ai plus qu'à ranger. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, finalement, parce que ça reste, j'enlève les petits cartons. Non, mais ça va, allez. Ça y est, j'ai terminé. Je vais vérifier, voir ce que ça donne. Et après, bah, comme d'hab, je fais tous les petits visuels, tout simplement. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau haul Et mais ça rend plutôt Jiffy. pas mal, la petite Une carte coiffure. cadeau. Bon, sur ce, j'y vais. Hein. Il est 2 h 20. Il faut que j'aille manger parce que j'en peux plus. Je vais me faire une petite salade de riz. Il y a des œufs, des olives, ça va être parfait. Après, bon, c'est pas gagné parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Hein. J'aimerais aller chez Yves Rocher, hein, parce que j'avais dit l'autre fois, ils ont toujours des trucs super sympas, des petits cadeaux et tout, et vraiment pas cher. Donc je vais peut-être y faire un saut, ça me fera l'occasion de sortir aussi. J'ai décidé que j'allais aller maintenant en ville chez Yves Rocher. Il est 3 h 30 passées, il fait encore jour, mais on sent que c'est limite. Faut que j'en profite, que je prenne l'air et que j'ai de la lumière, je le sens. Je continuerai après le boulot, donc je m'aérerai, ça va me faire du bien. Je me suis changée, bien évidemment, j'allais pas y aller avec ma robe grise hyper moulante. Et voilà. Et ben, j'ai choisi le bon moment pour sortir. Il pleut.
Je vais être honnête avec vous, cet article 13, ça me pompe. Je bosse, je suis à fond dedans, puis ça me revient en pleine tête, comme une épée de Damoclès, je ne sais pas. Alors, j'ai pas mal de petites choses, même beaucoup. Alors, j'ai vraiment bien fait d'y aller. Quand vous allez voir ce que j'ai, franchement, truc trop mignon, trop sympa, je suis contente. Voilà, le petit sac. Et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir dépensé, c'est cool. Je suis rentrée, je vous montre ça après, hein, les petits trucs qui brochaient. On va se faire, je suis rentrée en même temps qu'Eric. Je vais faire des petites eaux chaudes. Et... 2 minutes, Jack. C'est ça que j'ai mangé. J'ai testé chez Yves Rocher un eyeliner que j'ai testé et que j'étais malade. Je vous reprends sur notre petit spot où bah on voit mieux, hein, parce que là au niveau du bar, la cuisine à cette heure-ci, c'est pas terrible. Prends un petit peu d'infusion. Pas trop chaud. Comme très 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 souvent, avec les offres promotionnelles, on a des petits cadeaux sympas. Il y a plein de trucs, c'est cool. À la base, il faut quand même acheter un truc, donc j'ai pris un gel douche senteur pomme rouge Red Apple. Et je ne vous ai pas bien montré, parce que je suis un peu loin. Donc ça, c'est le gel douche. 1,80€, c'est encore un gel douche, c'est le Fleur de Thierry Ylang Ylang, je le connais, il sent tellement bon. Ah ouais, il est vraiment top, je vous le conseille hein, de le sentir, de le tester, il est très bien. En cadeau. Je peux pas vous montrer. Alors, je pouvais choisir n'importe quoi de gratuit, un parfum, tout ça, dans le magasin. J'ai choisi de prendre, ça sera pour le calendrier de l'Avent. C'est un parfum homme, il coûte quand même 65€. Hein. Je l'ai fait emballer. Moi, je trouve que c'est génial. J'ai eu une petite trousse. Bon, plutôt pratique. Hein. Ensuite, bah, apparemment, on a le droit à un calendrier 2019. Oui, enfin, je pense pas que je vais l'utiliser, hein, mais ça peut en intéresser. 60 ans, ah, c'est les 60 ans. Soin liquide de jour, une crème pour le jour, bah ouais, c'est comment? Voilà le format. Donc, toujours cadeau. 2 mugs, 3,40€ les 2 mugs, mais pas n'importe quel mug. Si vous faites la collection des mugs français. Foncé. Bah ouais, hein. Très très mignon. Le deuxième. On est d'accord? Pour résumer, j'ai eu 3,50€. J'ai payé 3,50€ pour les 2 mugs. Et petit gel douche, 1,50€, 2. Donc voilà. Là, je suis retournée à mon bureau. Je suis un peu décoiffée. On s'en fout. J'ai 2 vidéos à monter. Et surtout le vlog, le vlog d'aujourd'hui, je voudrais bien m'avancer pour que demain matin, j'ai plus trop de choses. Je veux pas que ça se finisse à midi parce qu'il faut que j'enchaîne enfin, d'autres vidéos. Quoi. Voilà. Donc là, je m'avance, c'est possible, il est 17h pile. Donc là, je vais bosser pendant 2 heures. Après 2 heures, 2h30. Après, bah, je verrai. Est-ce que j'enchaîne encore après le soir? On verra. Je viens de terminer de bosser. J'arrête, il est 19h30, je reprendrai demain. Coucou Jack, je suis en pleine hésitation concernant le nouveau tabouret, il est très beau. À la base, je l'ai acheté pour mettre là-dessous, mais je sais pas. Bon, je pense que je vais le laisser là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est plutôt en accord hein, avec le reste. J'ai retrouvé ma robe de chambre, elle me manquait, elle était en train de sécher, elle est toute propre, toute douce. La coiffure, on est d'accord, ça commence à partir en cacahuète. Il est 19h30 passé, je vais aller faire à manger. Je vais clôturer ici. Je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Salut.